Bonjour, je suis Irène Léonard, je suis âgée de 67 ans, pardon. Et depuis 2015, j'ai un cancer thyroïdien qui est réfractaire à l'iode, qui a une mutation BRAF. Donc en 2015, j'ai été opérée thyroïdectomie totale, et en 2016, j'ai subi un nouveau curage ganglionnaire suite à des métastases qui étaient restées un petit peu dans ce domaine et tout. Ensuite, en 2015, pour revenir, j'ai eu deux irathérapies, donc deux fois de l'iode radioactif, une fois en mars 2015 et une fois en octobre 2015, avec aucune fixation. Donc, dans un premier temps, j'étais contente parce que les médecins ne me disaient rien et tout, donc je me suis dit, c'est cool, il n'y a rien et tout. Sauf qu'en 2016, on a refait des traitements, des examens, des scanners, et ça a démontré que j'avais des métastases sur les poumons. En 2016, j'ai demandé un avis autre que là où j'étais en soins. Je suis venue jusqu'à Paris pour rencontrer un professeur qui m'a dit « Vous pouvez faire 30-40 séances d'iode radioactif, ça ne fera jamais rien, puisque vos cellules sont mutées, sont réfractaires à l'eau. » De là, bon, il m'a proposé un traitement, mais comme j'étais encore jeune, il m'a dit tout ce qui est inhibiteur qui est... Tyrosine kinase, il m'a dit on va les commencer un peu plus tard, comme ça un peu plus âgé, donc grande surveillance jusqu'en 2018, 19 plus exactement. Et j'ai refait une apparition ici, ici à Paris, tout le monde, et à l'IGR, où j'ai eu un médecin qui m'a proposé de participer à un essai clinique, le fameux Merayode. Donc 6 semaines de traitement, immunothérapie, une semaine d'hospitalisation à nouveau avec de l'iode radioactif. Premier traitement, une fixation contente. Voilà, je me suis dit, les cellules commencent à réagir. Deuxième traitement, au bout de 6 mois, absolument pas de réaction. Donc voilà, nouvelle déception et tout. Et en 2020, j'ai revu 2020, 2021, je ne sais plus, 2021, ça passe tellement vite. J'ai revu le docteur Adou ici présent, qui lui m'a proposé de rentrer dans un essai de recherche, un protocole de recherche, avec des traitements relativement lourds, parce que je vais tous les 15 jours à Paris pour une perfusion d'immunothérapie, associé à des anti-angiogéniques 3 semaines sur 4, avec tous les effets secondaires qui vont bien, des crampes, des vomissements, perte de poids, perte de cheveux, tout ce qui va bien. De là, avec l'immunothérapie, j'ai fait 3 maladies auto-immunes, donc une PPR, une insuffisance surrénalienne, et la dernière, qui vient de m'arriver au mois de septembre, un diabète de type 1, qui lui me gâche énormément la vie, parce que j'ai beaucoup perdu en autonomie, j'ai beaucoup perdu, enfin pas en autonomie, mais en qualité de vie. Dès l'instant que je fais un resto avec les collègues ou avec la famille, bon, bah, ça devient limité, parce que pour l'instant, le diabète n'est toujours pas stabilisé. Donc voilà le parcours médical. Moi, ce que je peux conseiller aux patients, c'est d'avoir de grandes discussions avec le médecin traitant, avec l'oncologue, éventuellement avec, enfin l'endocrino, éventuellement avec l'oncologue, et ne pas hésiter à faire un deuxième avis. Voilà ce que je peux dire. Et les effets de l'immunothérapie sur les métastases? Oui, il y a, dans tout ça, il y a quand même une super satisfaction, c'est qu'il y a une diminution de 65% des nodules. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou vous voulez qu'on... Vous voulez poser des questions peut-être? Ça peut être le moment. Allez, je vais prendre le relais. Parce ouais, que... ça me va bien. Enfin, aussi pour vous dire que je continue, malgré tout ça, le traitement. Bon. Merci.
Bien, mais moi, c'est grâce à ma coiffeuse que je suis ici, parce qu'elle avait trouvé un petit nodule, elle m'avait averti, et très rapidement, effectivement, quand je suis rentré sur Paris, j'ai été voir mon médecin un scanner, j'ai eu une réponse un peu négative, cancer, on va à l'hôpital, à Clamart, hôpital hôpital des armées. Et là commence une période de doute, ce qu'il faut savoir que quand on est malade, on aime bien savoir ce qu'on a. Et pendant deux mois, un coup c'était c'était les poumons, un coup ça pouvait être les os. Ça durait un certain temps, 2 mois. Et là, un jour, j'ai un coup de téléphone qui me dit « allez à l'IGR ». On a envoyé des plaques à l'IGR et puis il y a certainement une solution. Mais la solution, c'était effectivement de rencontrer le docteur Hadou qui m'a dit « vous êtes arrivé là où il faut ». Bon, et ok. Je ne me souviens pas de ça. Si. Alors, par contre, j'avais des. On vous a parlé de marqueurs. Effectivement, j'avais 2 marqueurs. Bon, je ne sais pas ce que c'était que les marqueurs. Donc, deux, il y en a 2 principaux. Et qui étaient assez explosifs. Bon, je vais vous les donner pour vous donner un peu, effectivement. Il y en avait un qui était à 36 000, il fallait 10. Et il y en a un autre qui était à 1800, je crois, il fallait 5. Donc, évidemment, il y avait quelque chose. Donc, le docteur était content parce qu'il y avait vraiment quelque chose. Et, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un médicament tout de suite. Il y a un médicament qui vous a été cité, le Vendetanou, en tout cas, après ça. Bizarrement, la première fois, j'étais content. J'étais content parce que depuis 2-3 mois, j'étais dans l'incertitude. Là, j'avais l'impression que... on va voir que c'est plus qu'une impression parce que ces marqueurs, toutes les 3 semaines au début, 2-3 semaines, 1 mois peut-être, je fais une erreur, mon scanner, prise de sang, et on arrivait à... À diviser les marqueurs par 2. Donc, 3006, ça va vite. 36 000, 18 000, 9 000. Pour moi, j'avais mes courbes, j'allais aller à zéro très rapidement. Bon, pas de peau, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, mais c'était une dynamique positive. Et au bout d'un an, j'ai compris que j'arrivais à un plafond bas, je ne sais plus comment on appelle ça, quand on arrive à des... plateaux. Un plateau, ça suffira. Et qui était un peu élevé, bien sûr, mais j'avais la chance, chère Irène, de ne pas avoir trop d'effets secondaires. Et alors, il y a des effets secondaires, mais les diarrhées, oui, je ne sais pas, mais... Quand on est malade comme ça, oui, il y a des diarrhées. Alors, les diarrhées, c'est pas 2-3, c'est quelques-unes dans la journée. Alors, bizarrement, quand je faisais du sport, tout s'arrêtait. J'avais pas de diarrhée. Je pouvais marcher pendant une journée. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, j'ai dit, c'est peut-être pas trop bien l'expliquer. Et on va dire que je vais pas. Ça fait 5 ans que ça dure. Et ça fait 5 ans que ça va bien. Ça va bien. Ça va même très bien. Donc on peut... je suis actif, un peu moins qu'avant, c'est sûr. Maintenant, je pense que la montagne Sainte-Victoire, je la regarde d'en bas, mais je ne la montrerai pas par la face sud, là. Donc, de s'en sortir, évidemment. Tout le monde n'a pas... je crois que ce qui nous dirige, ce que je veux dire aussi, c'est aussi la douleur. Est-ce que je vous parlerais comme ça si j'avais une douleur excessive? Peut-être pas, c'est sûr. Quoi dire d'autre? Je voudrais parler de VST.
hein, puisque on est notre représentante qui est là. Si vous avez des interrogations, bien sûr, il faut aller voir le médecin. Mais le médecin, vous allez le voir pendant, vous allez les voir régulièrement, puis ça va durer assez longtemps, les premières fois, toutes les fois. Mais parfois, on a besoin de compléments d'informations, et ce site-là est absolument exceptionnel dans la qualité de l'information qu'on y voit. Il y a bien sûr un forum, donc il y a toujours dans les forums des gens qui s'épanchent un peu, mais globalement, il y a 95% de l'information qui est maîtrisée par l'équipe de BA. Parce que les gens, mais quand ils sont malades, ils disent pas aussi n'importe quoi, quoi. Voilà, ils cherchent des réponses. Et je pense qu'on les a, les réponses. Et ce qui est bien, surtout, c'est qu'on décrit un cas et quasiment dans la journée, vous avez des gens qui s'expriment en disant voilà, ça ressemble à. Alors, il y a les sachants et il y a les moins sachants. Bon, il faut lire plutôt les sachants, mais ça, c'est facile à faire. Voilà. J'ai à peu près tout dit. Il faut faire confiance évidemment à nos médecins qui sont marqués. Et plein d'empathie surtout. Moi, donc, Simone Brouas, je suis âgée bientôt 74 ans. Donc, je suis toujours là. Alors, moi, disons que j'ai, comment dire, mon diagnostic, c'était un carcinome papillaire différencié, mais métastasé osseux. Je vais mettre le micro sur le menton. Sur le menton, comme d'accord. Ça, c'est. Vous asseoir. Oui, c'est peut-être oui. Plus facile pour moi, oui, effectivement. Donc, ça a été découvert devant une métastase osseuse. Donc, sur la vertèbre L4. Comme j'avais mal au bas du dos, j'ai passé une radio. Le radiologue me dit, mais vous avez une maladie très grave. Je dis, comment ça, maladie très grave? Prenez rendez-vous pour une IRM. Bon, sans tarder, comme je suis quelqu'un d'hyperactif, je prends rendez-vous pour une IRM, un examen dont j'ai horreur d'ailleurs, et que j'évite si je peux, parce que j'ai l'impression d'être dans mon cercueil là-dedans. Donc, effectivement, il s'est avéré que j'avais donc un cancer thyroïdien métastasé osseux. Donc la prise en charge était vraiment très rapide. Hein. J'ai eu donc à faire ma son chasseau pratiquement tout de suite. Donc on a décidé de faire des séances de d'iode radioactive. J'en ai eu 9 au total. Et 7 premières ont bien fonctionné parce que j'étais à 8000 en thyroglobuline. Je suis descendue à 55. Je pensais que j'allais guérir. Puis en réalité, je ne sais pas ce qui s'est passé. La 7e, la 8e déjà n'a pas donné grand-chose. La 9e, rien. Donc, il s'est avéré que ça ne marchait plus. Et ensuite, on a attendu combien? Un an avant de faire la radiothérapie stéréotaxique. Donc, j'ai eu 3 fois 5 séances. Sur la L4 aussi, toujours T2 et L3, ça a bien fonctionné. Et ensuite, en 2020, il s'est avéré qu'il y a eu des nouveaux foyers sur les bassins, les vertèbres et les côtes. Ensuite à cela, quelques mois après, on a donc décidé de prendre du lorvatinib. Alors la première fois, c'était la dose maxi 24 mg. Alors là, j'étais complètement pendant 5-6 mois à peu près. Hein. Donc j'ai pas voulu arrêter parce que on m'avait dit que c'était quand même positif. Alors j'avais bien sûr, j'avais une perte de l'appétit, donc un maigrissement. Des diarrhées, des vomissements, la fatigue, j'étais vraiment... Mais bon, je sortais quand même, je me dis, il faut absolument, je ne vais pas rester comme ça, je sors. Je suis sortie, mais bon, il y a un moment donné où c'était plus trop possible, et là, on a décidé, après, de diminuer à combien, 14. Et là, depuis que je prends 14, ça fait 3 ans, à peu près, maintenant. Ça va mieux, disons que, bon, j'ai de temps en temps des diarrhées, mais avec de l'imodium, ça se passe. La fatigue, je gère, et puis, les vomissements, je n'en ai plus. Donc, je me considère autonome, je vis normalement, mais c'est vrai que je suis bien entourée aussi. J'ai un mari que vous connaissez, qui est très optimiste, très positif, donc c'est vrai que ça m'aide, mais moi je suis comme ça aussi. Et puis, je fais confiance à la médecine, et c'est vrai que moi j'ai été très très bien suivie, parce que quand je posais des questions, j'avais
les réponses. Et donc, l'équipe était vraiment bienveillante, comment dire, rassurante, si bien que je ne peux pas dire que je me suis vraiment inquiétée. Je veux dire, pour moi, c'est une épreuve de la vie. Et je me suis dit, elle est peut-être même nécessaire pour, comment dire, me poser des questions. Et puis peut-être même me remettre en question, parce que effectivement je vivais, comment dire, bien, malgré tout. Et c'est vrai que quand les autres sont touchés, ça nous venait de la compassion, mais je veux dire, c'est pas, c'est différent quand on n'est pas complètement... Et là, je me dis, bon, de toute façon, maintenant c'est là, on va continuer, on va se battre. Et puis finalement, ça, pour moi, je dirais que ça se passe vraiment très bien. Parce que je veux dire, je suis moins active qu'auparavant, mais je fais quand même du sport. Je fais mes cours, je fais, enfin, je veux dire, je, la maison, les boutiques, parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Je vois mes amis et on parle toujours positivement. Donc, comment dire, on n'aborde pas le sujet à chaque fois. Je veux dire, c'est là, mais c'est tout, quoi. Et maintenant, bon, bah, j'ai un, je trouve que mon traitement, il est, enfin, pour l'instant, il me convient. Ça fait 3 ans, donc est-ce qu'à long terme, il va être aussi favorable? On verra, hein. De toute façon, j'ai 74 ans, mon passé derrière. Maintenant, ce que je peux vivre, le plus plaisir de la vie, ça me convient très bien. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et surtout, faire confiance à l'équipe médicale, ça c'est important. Avoir une très bonne équipe médicale, la chance que j'ai eue. Donc tout le monde ne l'a peut-être pas non plus, mais j'ai eu cette chance-là. C'est pour ça que je remercie beaucoup là, pour son château, parce que vraiment, ça m'a été d'une aide très réconfortante. Voilà. C'est tout ce que je peux dire, quoi. Les contrôles se font à quel rythme? Ah, les contrôles, donc tous les mois j'ai une prise de sang, tous les 3 mois je vois l'oncologue, et tous les 6 mois PET scan à peu près, ou 3 mois selon l'évolution. Mais pour l'instant c'est stable, ma thyroglobuline elle est à 600, c'est stable, elle n'évolue pas, elle diminue un petit peu, très légèrement. Mais quand j'ai, par contre j'ai eu un arrêt du lorazinib, ça je voulais préciser, pendant un mois pour une extraction de dents. Et là, quand même, ça avait, la thyroglobuline avait augmenté. C'est pour ça, moi, je ne suis pas non plus contre l'arrêt du lorazinib. Je préfère plutôt baisser la dose parce que, enfin, c'est mon ressenti. J'ai l'impression quand même que c'est, ça fonctionne parce que lorsque j'ai arrêté à 2 reprises, je sentais quand même que ça augmentait le, donc, la thyroglobuline. Donc, certainement, ça avait une incidence. Pour ça, je serais, vous en aviez parlé là, de l'arrêt du lorazinib. Enfin, je ne sais pas. Je suis pas vraiment pour. Mais bon, c'est mon ressenti. Hein. Je pense que ça dépend de la durée aussi, de combien de temps on arrête. Mais la première fois, j'ai arrêté une semaine parce que après les 24, j'étais tellement quand même, j'étais comme très fatiguée. Et ça vous a fait du bien d'arrêter une oui, semaine. Oui, c'est vrai, ça m'a fait du bien. Et ensuite, j'ai arrêté un mois, je crois, pour l'extraction des dents. Là, je me suis sentie bien aussi, mais comme on avait diminué la dose, j'ai moins eu l'impact qu'auparavant. Et puis c'est vrai que des pauses plutôt pour, si on arrête, essayer d'arrêter pas trop longtemps, oui, juste voilà. Le temps de se sentir mieux et de pouvoir repartir voilà. Un peu. Oui, parce que là, je sais que bon, j'ai des problèmes d'arthrose et bon, on n'opérera pas parce que je veux dire, il faudrait que j'arrête aussi peut-être un mois, sinon plus. Tant pis, je préfère un peu avoir mal, parce qu'en réalité, j'ai plus mal avec mon arthrose qu'avec ma maladie. Parce que les métastases osseuses, je ne les ressens pas pour l'instant. Après, je pense que ce qui est important, c'est vrai, c'est ce que vous dites, c'est que nous, on a un peu nos idées sur comment on gère les traitements. Oui. Mais après, on essaye, je pense que c'est important d'essayer de discuter avec vous de ce que vous en pensez et comment vous voyez les choses. On peut très bien, nous, se dire, bon, bah, là, il faudra arrêter, baisser la dose. Si ce n'est pas votre choix, parce pour plusieurs raisons, et que c'est, je pense qu'il faut qu'on essaye au maximum, tant que ça reste... je veux dire, pas dangereux, hein, bien sûr, pour les patients, essayer d'avoir une décision partagée au maximum. C'est-à-dire, on vous dit ce qu'on en pense, vous nous dites ce que vous en pensez, puis on prend une décision ensemble. C'est ça qu'il faut déjà, qu'on essaye de pouvoir faire. Oui. Le fait d'avoir diminué la dose, moi, je sais que ça va quand même bien... Bien mieux. Je suis beaucoup mieux, quand même, depuis qu'on a... Il y a 14 ans. Ouais. Hein. Je ressens beaucoup moins les effets secondaires. Bah, vous étiez quand même vraiment très très fatiguée. Oui. À la dose pleine, elle a été hospitalisée, elle était tellement maigrie et tout ça. Oui, oui, j'avais comme elle s'est une battante, en fait, elle ne se plaignait pas et quand elle a dit oui, c'est vrai. On a dit ah oui. Comme dit mon mari, toi, faut que tu arrives jusqu'au bout, hein. C'est quand tu es vraiment à terre que tu réagis. C'est un peu vrai, je sais. Et je voilà, sais, donc ça. On n'est pas reparti à dose pleine, c'est pour ça que non. La discussion de tout à l'heure, effectivement, c'est la discussion de savoir.
comme a dit. Oui, l'arrêt, quoi, oui. Arrêt, une semaine, un peu oui. Plus, à dose un peu plus faible, c'est sûrement mieux toléré quand même. Oui, moi pour l'instant, je le tolère bien parce que je veux dire, je vis une vie normale. Hein. Je suis autonome, bien sûr. Et puis, je veux dire, je ne suis pas à la maison dans mon fauteuil. Hein. Ce n'est pas le cas. Et bon, c'est vrai que tout le monde, comment dire, réagit différemment. Ouais. Est-ce que vous avez des questions auxquelles on pourrait répondre ? Mais je crois qu'il y avait une question sur Béraf. Sur Béraf, ouais. Ah, oui. Oui, mais ce n'est pas une question par rapport à ce que vous avez. Ah, c'était sur les ponctions, peut-être ? Non, c'est une question sur le lien entre le développement d'un cancer thyroïdien et d'un mélanome. Ah, je sais qu'il y a des études qui ont été menées avec le lien avec Béraf. Non, enfin, oui. Moi personnellement, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de lien. Par contre, l'anomalie moléculaire peut être identique. C'est-à-dire que les mélanomes ont souvent des mutations BRAF. En fait, c'est vrai que les mutations qu'on retrouve dans le mélanome, oui. Ça ressemble beaucoup aux mutations qu'on retrouve dans le cancer de la thyroïde. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a, a pas un lien de développement entre les deux, mais c'est vrai qu'ils se développent pour les mêmes raisons génétiques, on va dire. Et en fait, ça fait que certains traitements qu'on utilise nous, ont d'abord été développés dans les mélanomes, notamment les anti-BRAF, ils ont été utilisés avant nous. Voilà, je vous ai parlé là des anti-BRAF d'abrafénib, trametinib, hein, ce que Madame Léonard a eu dans le cadre de l'essai thérapeutique. En fait, c'est disponible à la pharmacie, mais c'est remboursé pour l'indication de traitement du mélanome. Parce que les études comparatives avec tirage au sort, hein, c'est toujours la façon dont on valide les traitements, c'est des études comparatives avec tirage au sort. C'est comme ça qu'il faut faire pour être sûr qu'un traitement est efficace. C'est-à-dire que les patients acceptent de participer à un essai. Personne ne, c'est ni nous ni vous qui décidez ce que vous allez avoir. Et puis c'est soit le traitement de référence, soit le traitement expérimental, soit le traitement expérimental, soit le placebo. C'est les deux types d'études. Et il n'y a que quand on a des études positives comme ça qu'après on peut avoir le remboursement, l'autorisation de mise sur le marché. C'est pour ça qu'il y a ces études contre placebo. Et ça, ces études-là avec dabrafénib trametinib, ça a été fait uniquement dans le mélanome. Donc c'est pour ça que l'autorisation de mise sur le marché, c'est sur le mélanome. Mais c'est vrai que comme il y a le même type de mutation pour les cancers de la thyroïde, dans certains cas, on discute un peu d'utiliser ces traitements. Mais il n'y a pas de lien dans les deux pathologies. Il n'y a pas d'association. Ça peut arriver d'avoir des associations de cancer. Là, il n'y a rien de... Bah, on peut avoir un cancer de la thyroïde et développer un mélanome, mais on considère que c'est fortuit. Et même quand bien même, il y aurait la mutation de BRAF dans les deux cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou d'autres remarques sur l'information, sur ce que vous attendez de nous en termes de, ouais. de choses et d'autres. Moi, je trouve que vous nous avez bien renseigné quand même, hein, malgré tout. Moi, c'était vraiment porteur, cette réunion cet après-midi, tu m'aimes là. Ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué hein, quand même. Là, bon, ça vous est présenté, mais la première fois, moi, je... Vous avez bien compris, je suis dans un cas théoriquement simple, bon, 5%, mais c'est vrai qu'on ne comprend pas tout. Pendant il m'a fallu quasiment 3 mois pour comprendre où je vis. Quand je dis il m'a fallu, même davantage. C'est pour ça que, une fois qu'il y a une voie qui a été décidée, déjà, enfin, on est content. Et enfin, quand on va nous parler, qu'est-ce que je veux dire? Enfin, je ne sais pas comment le dire, parce que je trouve aussi que les patients, c'est important, par l'intermédiaire des associations comme ça, on a c'est bien de partager, c'est bien d'avoir d'autres sources d'informations. Pas pour piéger l'équipe médicale, mais parce qu'on en a besoin, parce qu'on est en recherche. On veut être rassuré, ça nous rassure quelque part. Et on est rassuré à la fois par le médecin, mais on a besoin, nous, de se construire une solution, enfin aussi de progresser. Et comment vous cherchez les informations? Vous tapez sur Google comment vous faites pour trouver des informations en fait? Ah oui, ça c'est globalement. Les malades. Oui, oui, parce départ, que oui. Parce qu'il y a les mauvaises informations. Oui. Le problème. Ne regardez jamais Internet.
Oui, alors voilà. Beaucoup de médecins disent ça. Voilà, oui, voilà. Mais c'est exagéré, je trouve. Ah, pardon. Le problème, c'est qu'on est inquiet. Il y en a, enfin, moi, je ne le dis pas, mais il y en a qui le disent. Oui. Parce qu'on a peur que vous alliez sur des sites, un peu des informations qui sont fausses ou toxiques. Voilà. Et comme on ne sait pas toujours comment vous orienter, et il y a des gens qui disent, c'est plus simple, ils disent, regardez pas, écoutez ce que je vous dis, moi. Voilà, c'est ça. C'est peut-être un peu trop, à notre époque, c'est peut-être plus possible de dire ça, mais il faut aller sur les bons sites. On y va tout. Ouais. Voilà, le problème, c'est de trouver les bons sites, quoi, effectivement. Voilà. Et, moi, souvent, j'en vois, mais alors, ça dépend des maladies, mais par exemple, pour des maladies rares, pour les cancers, comme ça, c'est peut-être un peu... Et Orphanet, vraiment, qui est un site où on trouve des informations qui sont validées, qui sont écrites par des personnes qui sont un peu spécialistes. Là, il y a quand même sur le site du réseau, il commence à y avoir quelques petites informations. Et c'est peut-être là aussi où vous pouvez aider, un peu orienter pour avoir des documents qui soient valables. Parce que